La dépendance aux objets connectés peut nuire à la santé, surtout lorsque ceux-ci doivent être régulièrement reconnectés. C'est aussi la conviction de Lexus, chantre du full hybride, l'hybride sans fil ou hybride autosuffisant. Convaincu que le seul hybride qui vaille est celui qu'il ne faut pas recharger, Lexus en a fait sa spécialité. Question de confort aussi, l'autre obsession maison. Et ça marche. À l'usage, le travail conjoint du V6 essence à double injection et des deux moteurs électriques se fait dans une totale discrétion. Les résultats sont pourtant là, avec 313 chevaux et une fluidité de fonctionnement assez remarquable, la Watt et les Watts. D'où le traitement fiscal de ce RX450HL l'est aussi, notamment en matière d'ATN, avec un avantage substantiel par rapport au grand SUV diesel. Et puis il y a cette manière typiquement Lexus d'envisager la conduite à la carte avec 4 roues motrices, mais aussi avec différents modes de conduite pour maximiser tantôt les performances, tantôt l'écologie. La sécurité aussi, avec le Lexus Safety System Plus, un arsenal bien complet comprenant notamment le système de précollision avec détection des piétons et l'aide au maintien de voie avec correction au volant notamment. Sans oublier des airbags rideaux sur toute la longueur de l'habitacle. Porte-à-faux arrière allongé et lunettes plus inclinées, ce RX450HL, pour long, dissimule subtilement ses dimensions et accueille 7 passagers en toute convivialité. Vous savez, la convivialité, c'est autre victime de l'univers connecté. Avec ses sièges morphologiques tendus de cuir, sa finition raffinée et son assemblage au cordeau, l'habitacle du RX est un havre de paix au milieu du chaos. Pour ça, la deuxième rangée de sièges s'offre un accoudoir central avec porte-boisson, siège chauffant et port USB. Légèrement surélevée, elle dégage de l'espace aux pieds pour les occupants de la troisième rangée. Eux aussi sont gâtés avec une climatisation indépendante et des sièges rabattables électriquement. Attaché. Yeah ! Heureusement qu'il y a encore des endroits pour mettre tout le monde d'accord.